des meilleurs jeux 2017. Des meilleurs jeux 2017. Des Français avec des stars d'Hollywood. Top 9. Tomb Raider, Kenny Lessin en pyramide. Lara lance des flèches en plein cœur. Top 8. Zelda Wind Waker HD. Attends, mais c'est pas un nouveau jeu. Mais c'est mon Zelda préféré. Top 7. Rayman Legends. Je saute, je bave, je tombe et je recommence. Top 6. Battlefield 4. Un gameplay et des graphismes de psychopathe. Top 5. Kills of Shadowfall. Encore un FPS, mais le premier sur PS4. Top 4. Pokémon X. T'as dit Pokémon X ? Non, j'ai dit... T'as dit Pokémon X ? J'ai dit Call of Duty, j'ai dit FIFA. J'ai dit FIFA. Parce qu'en fait, moi, je suis un grand fan de Pokémon X, donc je me disais que... Toi aussi ? Top 4, Pokémon X. Et on s'en fout de ton avis puisque c'est notre top 10. Top 3, Bioshock Infinite. Après Rapture sous la mer. Bienvenue dans une ville qui lévite. Top 2. The Last of Us, pour exploser les infectés. C'est moi le boss. En haut du top, GTA 5. Los Santos c'est ma ville d'accueil. Et Trevor c'est mon voisin. Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on attend? MGS5, The Division, Final Fantasy 15, Mario Kart 8, Skyrim Online, Titanfall, Watch Dogs, Super Smash Bros. C'est notre top 10. Votre quoi? C'est le top 10 2013. C'est le top 10. Votre quoi? C'est le top 10 2013. J'ai pas compris. Oui. C'est votre quoi? C'est le top 10 2013. C'est le top 10. Votre quoi? C'est le top 10 2013. Eh si, pour faire un top 10 des jeux de l'année? Non, j'ai arrêté les jeux vidéo. Je suis un adulte maintenant, tu vois. Mais moi aussi, je suis un adulte, mais on va refaire un top 10. Non, ce sera sans moi. Ok, comme tu veux. Top 10, Fort Honor, Samouraï, Katana, Chevalier, Château Fort, Viking, attaque à la hache. Je fais des parades et des esquives. Mais sérieux, quoi? T'as déjà perdu, donc respire. Top 9, Cuphead. Les joueurs sont pas au bout de leur peine. On dirait un dessin animé, c'est mignon. Je sais pas pourquoi j'y joue alors que je fais que de perdre. Ok. Top 8, Nier Automata. J'suis envoyé sur Terre pour buter ces robots de bâtards. Avec mon bandeau sur les os, c'est compliqué de voir. Du mal à regarder autre chose que mon perso à poil. Bah alors, je croyais que t'avais arrêté les jeux vidéo. Bon, j'avoue, j'ai joué toute l'année. Et ton bébé? Je l'ai volé à quelqu'un. Toi aussi? Non. C'est pas le top 10 des mecs les plus stupides, des astuces les plus utiles, ça non. C'est pas le top 10 des mecs les plus balèzes, des plus gros moments de malaise, ça non. Mais c'est le top 10 des meilleurs jeux 2017. Des meilleurs jeux 2017. Des meilleurs jeux 2017. Top 7, Tekken 7. Pas fait exprès. Appuie sur toutes les touches. Pas fait exprès. Choix mon style et ma coupe de cheveux. Mais bon, j'arrive jamais à caler les coups que je veux. Les coups que je veux. Top 6, Horizon, j'suis trop fort. Discret, invisible, inodore. Mais un soir, j'ai pris une décision ivre-mort. Tirer des flèches dans des robots dinosaures. Top 5, Mario, lapin, crétin. Leur monde fusionne, y'a un pépin. Ils ont donné des armes de ouf à Mario et ça clique. Un Mario franco-japonais, ça donne un jeu magique. Top 4, Resident Evil 7. Dans cette baraque pas évident d'être discret. La famine tombe dessus. Je regrette cette enquête. À table au menu. Ce boyau et rillette. Top 3 Super Mario Odyssey. Je lance ma casquette au pif et je me transforme en trucs divers et variés. Il me faut vraiment toutes les lunes obligées. Top 2 PUBG ou Fortnite. Ascend sur la même île, ça part en grosse fight. Je veux m'équiper et survivre, le stress est là, faut pas craquer. On n'a pas réussi à choisir, toi lequel t'as préféré? Top 1 Zelda Breath of the Wild. Épée, flèche, arc et côte de maille. Ganon en Hyrule étoffe le mal. Mais je ferai toujours l'effort de me battre. C'est pas le top 10 des morts les plus stupides, des astuces les plus utiles, ça non. C'est pas le top 10 des mecs les plus balèzes, des plus gros moments de malaise, ça non. Mais c'est le top 10 des meilleurs jeux 2017. Des meilleurs jeux 2017. Des meilleurs jeux 2017. C'est pas le top 10 des morts les plus stupides, des astuces les plus utiles, ça non. C'est pas le top 10 des mecs les plus balèzes, des plus gros moments de malaise, ça non. Mais c'est le top 10 des meilleurs jeux 2017. Des meilleurs jeux 2017. Des meilleurs jeux 2017. Top 10,
top 10 Beyond Two Souls, développé par des Français avec des stars d'Hollywood. Top 9 Tomb Raider, fini les seins en pyramide, la lance des flèches en plein cœur. Top 8 Zelda Wind Waker HD. Attends, mais c'est pas un nouveau jeu. Mais c'est mon Zelda préféré. Top 7 Rayman Legends, je saute, je bave, je tombe et je recommence. Top 6 Battlefield 4, un gameplay et des graphismes de psychopathe. Top 5 Kills of Shadowfall, encore un FPS mais le premier sur PS4. Top 4 Pokémon X. Attends, t'as dit Pokémon X? Non, j'ai dit... T'as dit Pokémon X? J'ai dit Call of Duty, j'ai dit FIFA. J'ai dit FIFA. Parce qu'en fait, moi, je suis un grand fan de Pokémon X, donc je me disais que... Toi aussi? Top 4 Pokémon X. Et on s'en fout de ton avis puisque c'est notre top 10. Top 3 Bioshock Infinite, après Rapture sous la mer. Bienvenue dans une ville qui lévite. Top 2 The Last of Us, pour exploser les infectés. C'est moi le boss, en haut du top. GTA 5, Los Santos c'est ma ville d'accueil. Et Trevor c'est mon voisin. Et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on attend? MGS5, The Division, Final Fantasy 15, Mario Kart 8, Skyrim Online, Titanfall, Watch Dogs, Super Smash Bros. C'est notre top 10. Votre quoi? C'est notre top 10 2013. C'est notre top 10. Votre quoi? C'est notre top 10 2013. J'ai pas compris. Oui. C'est votre quoi? C'est le top 10 2013. C'est le top 10. Votre quoi? C'est le top 10 2013. Eh si, pour faire un top 10 des jeux de l'année? Non, j'ai arrêté les jeux vidéo. Je suis un adulte maintenant, tu vois. Mais moi aussi, je suis un adulte, mais on va refaire un top 10. Non, ce sera sans moi. Ok, comme tu veux. Top 10, For Honor, Samouraï, Katana, Chevalier, Château Fort, Viking, Attaque à la hache. Je fais des parades, des esquives. Mais sérieux, quoi? T'as déjà perdu, donc respire. Top 9, Cuphead. Les joueurs sont pas au bout de leur peine. On dirait un dessin animé, c'est mignon. Je sais pas pourquoi j'y joue alors que je fais que de perdre. Ok. Top 8, Nier Automata. J'suis envoyé sur terre pour buter ces robots de bâtards. Avec mon bandeau sur les os, c'est compliqué de voir. Du mal à regarder autre chose que mon perso à poil. Bah alors, j'croyais que t'avais arrêté les jeux vidéo? Bon, j'avoue, j'ai joué toute l'année. Et ton bébé? Je l'ai volé à quelqu'un. Toi aussi? Non. C'est pas le top 10 des mecs les plus stupides, des astuces les plus utiles, ça non. C'est pas le top 10 des mecs les plus balèzes, des plus gros moments de malaise, ça non. Mais c'est le top 10 des meilleurs jeux de 2017. Des meilleurs jeux de 2017. Des meilleurs jeux de 2017. Top 7, Tekken 7. Pas fait exprès. J'appuie sur toutes les touches. Pas fait exprès. Choix mon style et ma coupe de cheveux. Mais bon, j'arrive jamais à caler les coups que je veux. Top 6, Horizon, j'suis trop fort. Discret, invisible, inodore. Mais un soir, j'ai pris une décision ivre-mort. Tirer des flèches dans des robots dinosaures. Top 5, Mario, lapin, crétin. Leur monde fusionne, y'a un pépin. Ils ont donné des armes de ouf à Mario et ça clique. Un Mario franco-japonais, ça donne un jeu magique. Top 4, Resident Evil 7. Dans cette baraque, pas évident d'être discret. La famille me tombe dessus. Je regrette cette enquête. À table au menu. Ce boyau est rillette. Top 3, Super Mario Odyssey. Je lance ma casquette au pif et je me transforme en truc divers.